Ouais. Milieu de bois, donc là on essaye de trouver des champignons. On est dans un endroit qui est magnifique, magnifique, mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de champignons. On verra bien, hein. Qui sait. Alors, si on a trouvé des champignons, par contre, ce soir, omelette au cèpe. Regardez-moi ça, comme c'est beau. La nature est vraiment formidable. Elle est superbe. Superbe carrière. Mais là, je crois que j'ai perdu Patricia. Je sais plus où est passé. On marchait, marchait des côtés. Ah, ça y est. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle se cachait. Bon, ben là, on marche pendant. Bon, un petit moment quand même, mais c'est pas encore la saison des champignons, je pense. Hein. Bon, c'est pas grave, on se régale. Franchement, nous, quand on est dans une forêt, à chaque fois, on se régale. Et ben alors, je t'avais perdu. Je t'avais perdu. Ah bon? C'est le loup. Moi j'en ai peut-être pas, je pense. Même si ce sont les frais aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas un cèpe à l'horizon. Bon, ouais. Ouais. Moi je rénove notre nature, hein, c'est pas grave. On est des grands marcheurs. On va changer de secteur et tout. Alain, Alain. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là. La stock. Alors ça c'est... Un cèpe de Bordeaux. Ouais. Il a le pied rouge. Je pense que c'est un cèpe de Bordeaux. Bon, il est tout bouffé, mais voilà. Quand même... Quel dommage. On a trouvé un champignon. On est trop fort. Elle est trop forte, trop forte. Bon, on va peut-être pas en faire une omelette avec ça, parce que c'est quand même bien mangé. On va le laisser pour les animaux. Ah, ben hier soir, on cherchait ce petit spot, enfin un petit spot. On a trouvé cet endroit. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ouais, on a super bien dormi, c'est calme. Et il fait super. Enfin, on peut déjeuner dehors. Pourtant, on est dans le Languedoc, donc la température... On a tendance à quand même pas mal chuter le matin. Donc il y a la rosée, il y a les champignons certainement. Aujourd'hui on va espérer en trouver. Et donc ben voilà, c'est parfait, la vie elle est belle. Hein, voilà. Avec ce soleil magnifique, déjeuner, top, 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 comme on les aime. Écoutez un peu les... Pas sur les enfants, les oiseaux et tout qui chantent, sont contents. On vous fait des gros bisous. Ah et bon, ce petit déjeuner. Super, mais regarde, j'ai trop faim. Bon, alors ce matin, ça va être brioche, brioche, confiture, étirement, madeleine, banane, pomme, une espèce de Nutella, du jus de fruits, voilà. Un petit footing après. Non, c'est dimanche, repos. Ouais, c'est dimanche. On va marcher. On va essayer quand même de se trouver un champignon potable, hein, parce que... Ah, il faudrait, mais bon... Il y a quelques personnes déjà qui sont passées, qui y sont. Il y a énormément de monde à cette période. Ouais, donc. Mais la forêt est grande. Immense. Il faut croire à notre instinct. Il y a des kilomètres de forêt. Ouais. Et surtout, c'est chouette. Bon, ben, on se fait un petit déjeuner tranquille. Et après, on décolle. Et après, on décolle faire un champignon.
Bon voilà, nous voilà partis. Après une heure et demie de petit déjeuner tranquille au soleil. C'est magnifique. Donc on va essayer de chercher des champignons. La pâte s'engouffre là dans les bois. Attention aux loups, hein. Et voilà, donc c'est reparti. Bon, va-t-on trouver les champignons cette fois-ci? Enfin, la dernière fois, on a trouvé des beaux, mais là, il en faut des bons. Bon, ben là, il y a un terrain qui est favorable, normalement, qui devrait y en avoir sous les feuilles, sauf que ça, mais il m'a l'air encore un petit peu sec. Il n'y a pas trop plu. Donc voilà, bon, pour l'instant, c'est chou blanc. Bon, à défaut de champignons, je pense qu'on va se réconforter sur les grillades. Oui, hein, mais après cet après-midi, on va aller voir ailleurs. En redescendant tranquillement, on va s'arrêter dans des coins. Peut-on jamais, puis après, ben, les semaines d'après, ça sera, je pense, beaucoup mieux. Pas réellement plus suffisamment. Il a fait tellement chaud et sec cet été que il faut un moment avant que la terre imbibe toute cette eau. Ouais, en tout cas, c'est un terrain normalement favorable. Ah ouais. Je vois ce que vous en pensez, mais là, je pense que on est pas mal. Bon, on reviendra. Regarde, on le voit à peine. Hein. Je vous fais voir. Là, il y en a un. Il y en a un. Vous voulez un peu manger? C'est un cèpe de Bordeaux. Ouais, certainement. On le prend? Ben, je sais pas si ça vaut le coup de le prendre. C'est un peu mou. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, il n'y a même plus rien à manger, t'as pris, c'était mangé. Mais bon, voilà. Ça tient dessus, mais encore. Ouais. Donc ça prouve quand même qu'il y en a. Oui. Bon. Allez, on continue, on verra bien. Je sais pas trop. Il y a des souches là. Bon, ça va être grillade aujourd'hui. Je pense que là. Et... Attends. Oh, Pat, viens voir ce que j'ai trouvé. Regarde-moi ça. Là. Ah, oh, puis ceux-là, on les aime, hein. Ceux-là, on les aime. Oh, il y en a deux. Qu'il y en avait. Oh, ils sont bien planqués. Oh, bravo. Ah, super. Oh là là, ceux-là, ils ont des beaux pieds. Et celui-là, il est magnifique. Là. Il est super. Bien planqué, oui, quand même. Regardez-moi ça. Ben, bravo. Bravo. Oh, belle prise. Oh, on va l'avoir, mes promenettes. Hop, avec des bonnets, si vous connaissez, quoi. Tu as un couteau? Ah oui, j'ai le couteau, oui. Bon, il me manque juste ma petite balayette. Je rêve d'avoir un couteau avec une petite balayette pour les champignons. La petite brosse, pas la balayette. Je suis encore dans le ménage, moi, n'importe quoi. C'est le métier qui revient. J'essaie de faire ça comme il faut. Oh là là! Et le pied est ferme de chez ferme. J'espère que je l'ai bien coupé. Oh, voilà. Et il n'y a pas que nous, hein, qui aimons. Ouais. Oh, génial. Pas l'air très... Il a pas l'air très véreux. Celui-là, il a l'air mieux. Pas l'air véreux, ouais. Ouais, voilà. Allez, bon, pour le second. Ah, ben, pétard, c'est du sport, hein, d'aller chercher les champignons. Hein. Mais quel sport merveilleux. Ouais, voilà, t'es... Ah, ben, le pied est un peu vert. Véreux, je pense, mais bon. Ouais. Oh là là. Eh. La classe à Dallas. Le kit du champignonneur. Bravo, monsieur. On va les planquer. On va faire croire aux gens qu'il n'y en a pas, en fait, au final. Super. La classe. Ah, il n'y a plus qu'à en faire d'autres. Hein. Un petit sac. Un beau. Il est magnifique, celui aussi. Hier, là, j'ai fait une photo magnifique. Ouais. Et je demande à mon frère, qui est Seb,
qui prend du champignon, si ça vaut le coup de le ramasser ou pas. Parce que sinon, forcément, ben, on laisse dans la nature, quoi, si ça vaut pas le coup de le ramasser. Il n'est pas trop spongieux, donc il est assez ferme au-dessus. Et je crois que ceux-là n'ont pas forcément un goût le plus extraordinaire. Donc voilà, tant qu'à faire, quand on a quelques doutes, il vaut mieux demander. Bon, en tout cas, ça va être, on met un pas à midi. Non, bah non, à midi, c'est grillade. Grillade, on se fait des cèpes. On se fait des cèpes à la grillade, ouais. Ça se fait, ça? Ah oui, pourquoi pas. Celui-là, là, petit, c'est le volet jaune, là, ou rouge, là, je sais pas trop comment ils les appellent. Ah, je connais pas ça. Ils sont, mais si, regarde, si, c'est les roses. Ah oui? Voilà, tu vois, c'est le rose, regarde, il est tout rose, là. Ouais. Il y en a quelques-uns, ils sont bien cachés, hein. C'est vraiment tout un art, hein, d'arriver à trouver... Il y a un champignon là-bas, je ne sais pas ce que c'est, je ne le connais pas. Ouais. Plusieurs variétés, donc on ramasse vraiment que ce qu'on connaît. Voilà. Finalement, c'est un bon coin. Venez ici, parce que c'est un bon coin. Bah non, venez pas ici. C'est juste après l'arbre. Juste après l'arbre, deux tours à gauche, et vous êtes là, c'est un bon entre coin. Le tronc d'arbre coupé, là. C'est pour le refaire. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas des experts en tous les champignons, on connaît les cèpes et les bolets. Et donc là, on a... Bah, j'utilise cette petite application qui s'appelle Champignouf. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Pas si terrible que ça. Mais bon, ça peut dépanner, vous voyez. Elle vous montre voilà, différents styles. Alors, fais voir comment ça marche. Alors bon, ben écoute, je suis sur le PDF, c'est pas ça du tout. Ah ben on enlève, on recommence. Hop, hop, hop. Alors, on va chercher l'application qui est là, que j'ai installée de nouveau hier. J'installe chaque période de champignons, en fait, pour m'aider. Alors, je pense qu'il est comestible, hein, celui-là. Ensuite, on a... soit on fait depuis une image. Oui, ça peut être pas mal depuis une image aussi. Puis bon, ou en scannant. Alors, moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire en scannant. J'aime bien être en direct des choses. C'est une belle image. Et au bout d'un moment, hop, tu fais stop. Et voilà, je te donne plusieurs propositions. Comme j'ai pas pris mes lunettes, je vois que dalle. Ah, ça ressemble au bolet... B, c'est peut-être un bolet B. Ça lui ressemble, ou peut-être peut-être le bolet bicolore. C'est un bolet peut-être bicolore. Le bolet B est plus large. Non, le bicolore, c'est celui qu'on vient de voir de l'autre côté. Bolet orangé, je n'en sais plus. Attends. Voilà. Ben, mon frère me répond. Alors, je crois que c'est un cep des pins. Oui, voilà, c'est ça. Il doit être comestible, mais vérifie quand même. Donc c'est exactement ça. On est là. On est entre les feuillus et les pins. Enfin, les sapins et les pins. Et du coup, forcément, oui, c'est un cep de pin. C'est ce qu'on faisait l'année dernière. Il y en a là-bas, des champignons. Ouais. Ils sont vraiment étranges, ils sont grands. C'est ceux qu'on ramassait l'année dernière. Alors ils sont comestibles, ils sont grands, ils sont moins. Ouais, c'est là, on ne ramassera pas. Ceux qu'on a ramassé tout à l'heure. Donc, vous avez vu, il faut venir ici entre le pin et les feuillus. Oui, voilà. C'est juste à côté, voilà. À côté de la souche. Voilà, donc c'est les bolets, je ne sais pas si ça n'en est pas un là-bas, bolets. Les bolets, c'est plus sous les feuillus qu'on les trouve, sous les châtaigniers. D'après ce que j'ai appris, les cèpes de pin, mais forcément, voilà, c'est sous les pins. Forcément. Et ils sont moins goûteux. Voilà. Les bolets, quoi. Allez, on continue la promenade. Ouais. Ah bah voilà, petite promenade sympathique. Oui. Hein, promenade qui a duré quand même quelques heures. Ouais bah écoute, c'est l'heure là, c'est l'heure du repas. Ouais, bah, c'était un peu foutu quand même. Hein. Ouais. On a ramassé. Attends, je vais vous faire voir. Le boulet, ouais bon, il y a des cèpes de pain. Bah des cèpes tout court. De la chanterelle. Ouais, bah. C'est un bonomètre, on a même poêlé là, poêlé, ça va être pas mal. Il faut aller avec la grillade. Poêlé avec la grillade. Pourquoi? Ah ouais. Oui, allez, chiche. Allez, on va se faire, maintenant on va se faire le barbecue, là, on va monter le barbecue. Ouais, je pense que c'est, ça va, c'est quand même assez, c'est pas trop sec ici. On va se mettre au milieu, là. C'est vrai. Allez! Allez, go! On continue l'aventure.